Salut Mathieu, après cette longue trêve due à la situation sanitaire, vous retrouviez les terrains. C'est déjà la deuxième journée. Haguenau joue en Fédéral 3 et vous receviez Colmar. C'était un super après-midi de rugby en Alsace. Ah oui, pour les amateurs de spectacles vivants et de suspense, il fallait être là. Parce que en fait, les gens ne se sont pas trompés. Ils étaient nombreux autour du terrain. On a une nouvelle tribune. J'ai aussi une position pour filmer aussi qui est vraiment très agréable. Et alors, on va voir que tout de suite dans les débats, ça va aller vraiment taper très fort, parce que Colmar, on les connaît, on les avait déjà dans la poule l'année dernière. C'était une équipe qui était en construction, en reconstruction, et là elle est en train de marquer des points. On va dans les avancées, dans le collectif, qui vont nous faire très très mal. On va se mettre à la faute parce que effectivement là il va falloir corriger, comme le diront plus tard les entraîneurs Étienne Quignoux et Nejmi Kara. Il faut aussi faire attention au plaqueur plaqué, le jeu au sol, et après aussi produire beaucoup plus de jeux. Voilà les intentions de jeu, c'est ici. On voit tout de suite Julien Benoît, qui était sociétaire de Haguenau l'année passée, qui va déjà mettre les premières banderies ici. On va des percussions. On n'est pas encore rentré dans le match, qu'on est déjà en train de prendre des points, et c'était un petit peu inquiétant avec ce à domicile. Deux pénalités de suite, pratiquement les mêmes fautes, plaqueur plaqué, on ne se dégage pas. Donc il va falloir mettre de la puissance et puis aussi de l'intelligence de jeu, comme ici le 9, Étienne Quignoux, entraîneur et joueur numéro 9, là, qui vient percuter, piquer le ballon carrément à l'adversaire. Et on ouvre sur les extérieurs, super, avec une passe sautée là, par Castero pour Anné, et un super premier essai. Alors là, ça y est, on est revenu dans la partie enfin avec Émile Huère, là, un jeune issu de la formation de Haguenau, donc avec des bonnes jambes de feu, comme le faisait si bien Zambelli, qui joue en Pro D2 désormais. Alors ici, on voit encore les accélérations du jeu avec Hippolyte Breton ici, qui tente de déborder. Alors le ballon est toujours bien relevé par Quignoux, les percussions, on y est dans le match, ça y est, on essaye de voir, et malheureusement, on vient sur le côté, le joueur est venu. Pénalité et encore 3 points de plus, et Colmar se fait la part belle dans ce début de partie. Ah, il va falloir la remettre. Son trait de tatillon, c'est le rugby moderne. Absolument, c'est la règle qui est juste affirmée un peu plus. Elle existait déjà, mais maintenant on fait attention, vu pour les accidents. On est en plein maintenant. On va même parler de sanitaire tout à l'heure, ici, la protection des joueurs. Et là-dessus, un superbe essai du neveu d'Olivier Schleib, un joueur vraiment qui est très puissant, qui est dans les centres et qui va nous faire du mal deux fois de suite, comme ici. Encore une fois, il prend le ballon dans l'intervalle, il n'y a pas photo, bam, allez, essai. Donc il fallait être vraiment présent. Pour l'arrêter, il faut se mettre à plus. Ah, il est solide pour un 3/4 centre et il est costaud. Donc il va falloir faire la même chose avec Édouard de Poivre ici par exemple en partie 1-0 sans passe, et on va écarter sur les extérieurs d'ici. Il y a Antoine Cru, très puissant, le pilier qui là se gêne pas pour aller enterrer la balle dans le... C'était du rugby champagne, Mathieu, là, je vois. Absolument, il y aura 10 essais dans la partie et donc c'était vraiment très très agréable, et autant aussi beau que la météo. On a vu vraiment du beau rugby ici. Le groupe pénétrant qui est d'habitude cher à Haguenau, c'est Colmar qui le pratique avec un essai de Moreira, rien à dire voilà, on prend le score reprend une ampleur, vraiment on commence à s'inquiéter. Elle est quand même à domicile. Une pénalité qui va être jouée à la main par Étienne Quignoux, avec cette belle passe sur les extérieurs, fixée donnée, c'est du beau rugby, passe sautée, on lobe l'adversaire et on arrive par les extérieurs avec Hippolyte Breton qui en trottinant va marquer un bel essai qui compte comme les autres, ça fait plaisir. Et là on est rassuré, on a notre rugby, le score revient à des proportions plus logiques. Ici David Weiss qui contrôle bien le ballon, on voit qu'on a des joueurs très puissants, Jules Ziliox encore, le ballon a été dans les mains là d'Étienne Quignoux qui ouvre encore les extérieurs. Castero de nouveau, une superbe passe pour Julien Anné. Il y a du rugby, il y a du beau rugby, les ballons vont vers les ailes, c'est super, avec ici une très bonne transformation de Karl Wendling, qui était encore sociétaire de l'équipe réserve l'année dernière, qui maintenant fait ses armes en première et qui rassure tout le monde. Alors le ballon ici, bien, là une grosse poussée, une poussée de travers, on voit l'arbitre, le geste de l'arbitre, là exactement, Colmar a poussé de travers, donc c'est une pénalité qu'on peut convertir une fois de plus, Karl Wendling, donc on est rassuré aussi dans ce côté-là, au niveau de la botte, c'est bon aussi. Ici on croit un essai superbe de Quignoux, qui a vraiment été de tous les instants. Il a vraiment voulu, il voulait absolument gagner, comme tous les joueurs bien sûr, mais il a montré encore, il a montré la direction, les poteaux. Donc il n'a pas accordé cet essai parce qu'il y avait un adversaire en dessous. Et là, deuxième coup sur coup, c'est justement la continuité de l'action sur la mêlée. Un superbe essai, plein de rage, d'envie, un vrai essai de neuf, c'est ça qui est important. C'est quoi l'objectif de la saison, Mathieu? C'est de se régaler, de continuer à progresser. Comment vous comptez figurer aussi dans ce classement? Évidemment, c'est la qualification. Il faut chercher la qualification. Les phases finales du championnat de France, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut avoir ça en tête en permanence. C'est ce qui fait progresser les joueurs, les jeunes joueurs, qu'il y en a l'amalgame ici sur le terrain. Et il faut avoir un objectif. Ce n'est pas le maintien. On est au-dessus de ça. On a déjà, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, on peut déjà prétendre à des qualifications, à des belles phases de jeu de fin de saison. Gros suspense en fin de partie. Il est là.
Voilà, voilà, on arrive. Derrière, on est encore derrière, le ballon, voilà, on est pris dans les bras et tout, et super, regardez ça, cette balle, encore, Castel qui pousse un gros raffut, hein, le ballon qui va être libéré de nouveau par Quentin Langlois, qui retrouve David Weiss, qui était vraiment très mobile, et hop, pas comme un 1-2, super baissé, voilà, l'essai qui soulage tout le monde, on était à la liesse, on a vu les gens se lever, c'était superbe, et on a pu faire une belle fête, parce que l'arbitre avait signalé la fin du match, on croit que c'est la fin, et bien non, il y a encore du jeu, alors il fallait faire le jouer, un grand dégagement d'Etienne Quignoux et qui va permettre à tout le monde de pouvoir faire la fête parce que c'était un très beau match. Le respect, il n'y a pas eu d'Orient, pas de bagarre. C'est intelligent jusqu'au bout et beau à voir. Et on a plein de derbies qui nous attendent dans cette nouvelle saison qui commence. C'est le rugby qu'on aime et c'est le rugby qu'on va suivre avec toi sur Stras TV. Merci Mathieu, merci encore pour cette nouvelle saison qui débute. Avec les nouveaux entraîneurs du RC Haguenau, heureux, disons heureux pour la fin du match, pour le dénouement. Par contre, ça a été très difficile aujourd'hui. Il faudra une équipe très accrocheuse de Colmar. Oui, on est tombé face à une équipe de Colmar très accrocheuse, très, très joueuse même. Mais on gagne sur la fin. On a fait un bon match en première mi-temps. Et les joueurs se sont réveillés sur la seconde période et ça fait vraiment plaisir. C'est un très bon état d'esprit et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Alors vous avez bénéficié d'un héritage de Nicolas Tisanet. Je vois que toi, Nejmi, tu as déjà pratiqué le rugby à haut niveau, comme Étienne Quignoux à côté de toi. Vous êtes deux entraîneurs vraiment de haut niveau, vous apportez vraiment votre patte. On a senti que le mental était là à la fin du match. Oui, bah, avec la première mi-temps catastrophique qu'on fait, enfin catastrophique non, mais voilà, beaucoup de choses à corriger. Colmar joue très bien, on a le vent en face, on n'arrive pas à sortir du camp. Deuxième mi-temps, on savait que ça allait être un petit peu plus facile par rapport au vent. Après, sur le jeu en lui-même, voilà, on a fait des choses simples en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus d'intensité, plus de vitesse. Et puis, voilà, c'est un groupe qui est jeune, qui est encore très friable mentalement, on le voit. Donc, beaucoup de travail là-dessus, quoi, parce qu'il y a vraiment matière à faire des choses intéressantes logistiquement. Il faut qu'on corrige pas mal de choses, notamment sur l'aspect mental. Voilà, ben c'est très bien. Alors, du travail et une belle fête ce soir. Tout à fait. Bonne soirée. Au revoir, messieurs.